Je vais vous faire Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Non, je rigole, je rigole. D'ailleurs, arrêtez de nous envoyer vos chanteurs. Nous, on en a déjà plein des pourris. Donc, gardez les vôtres. J'en ai une de notre film préféré de tous les temps. D'ailleurs, le meilleur film de tous les temps. Ça fait. Ah non, mais tu crois que c'est pas déjà impressionnant, hein? Alors, ça fait. Au revoir et adieu, jolie fille Madeleine. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Je viens de recevoir l'ordre de repartir à Boston. Et plus jamais ne reviendrai en Espagne. Bonjour à tous en direct du BIF pour un nouveau fin de séance. Et ici, on a vu la relève du cinéma de genre, du cinéma français qui, depuis quelques années, évidemment, avec À l'intérieur, avec Béatrice Dalle, qu'on avait adoré, avait réalisé un film absolument violent, absolument barbare, totalement fou. Puis après, ils avaient réalisé, ils se sont un peu développés, ils ont fait un film qui était formidable, The Deep House, qui était un film de maison hantée sous-marin. C'est donc les réalisateurs Bustillo et Maury qui ici nous livrent un dernier film qui s'appelle Le Mangeur d'âme avec Sandrine Bonner, avec Virginie Ledoyen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été déçus. J'étais même à mettre de côté le jeu des acteurs qui jouent très très mal, mais alors sans doute qu'ils ne sont pas aidés par les dialogues du film qui sont extrêmement mauvais, qui sont pas mis en bouche, c'est-à-dire que des acteurs qui reçoivent des dialogues comme ça doivent les reprendre, les remanier et les ressortir à leur manière. Ou alors c'est des dialogues de génie, mais ça l'est pas. Ce sont des dialogues très prévisibles et à la limite du cliché, quoi. Je suis persuadé qu'il y avait quelqu'un d'autre présent au moment des faits. Le film me fait penser énormément à un autre film d'un réalisateur français qui a fait une petite carrière aux États-Unis, c'est Pascal Laugier. Ça s'appelait The Secret avec Jessica Biel, je crois, qui a un peu la même histoire d'enlèvement d'enfants. C'est exactement cette même ambiance, mais il y a un bon film et un mauvais, quoi. Donc là, on est vraiment dans un film qui est à la fois prévisible. Il y a une ambiance qui est quand même là, parce que Bustillo et Maury arrivent à faire quelque chose avec le matériau de base. Mais c'est tout, pas plus. Ne l'invite jamais à rentrer. Il pourrait envahir ton foyer. On vous a pas prévenu du carnage ? Quand je vois Sandrine Bonner, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Si Piala était encore là, il dirait « Il y a des films que c'est pas la peine. » C'est du cinéma que c'est pas la peine, quoi. C'est vraiment ça, c'est des films que c'est pas la peine. Et c'est triste de voir ça. Même Sandrine Bonner joue pas très très bien. Evan n'est plus à l'hôpital, il a disparu. Elle est pas mauvaise, mais elle joue pas très bien. Non, et alors moi ça me pose la question, c'est est-ce que sous prétexte que c'est un cinéma de genre, et que le cinéma de genre en France a du mal, est-ce qu'on est obligé de cautionner un mauvais film ? Ou est-ce qu'il faut être exigeant avec les films de genre français et dire, bon, il y a eu des très bons films avant, mais celui-là est un peu raté. Je pense qu'il faut être honnête. Bon, maintenant, il faut se dire aussi que, globalement, les films qu'ils ont faits ne sont pas mauvais. On peut leur pardonner peut-être un faux pas, ça arrive. Et c'était un film de commande aussi. Donc hein. Je veux dire, dans le genre, dans le film de genre, ils n'ont pas vraiment déçu. Donc là, c'est un petit faux pas, ça arrive. Tu devrais aller les voir, ils sont juste là, dit, ne le refaites plus. Non, mais ce n'est que notre avis. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qu'on a interviewés qui ont aimé le film. Hein, donc, Tous ces enfants se sont volatilisés dans des villes voisines. Tout dépend un peu de la tolérance qu'on a par rapport à ce genre de film. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore en tirer ? C'est que ce que j'ai apprécié, mais c'est vraiment au début du film, c'est qu'ils prennent quand même le temps de présenter
les personnages. On a le temps de rentrer dedans, d'autres vont dire que ça met un peu de lenteur, mais bon, je pense que ça c'était voulu. C'est seulement par après que tout, quand les films s'enclenchent, ben, c'est comme si c'était un film qu'on avait déjà vu avant, en fait. Donc, tout est prévisible. Ce qui est aussi pas mal aussi, c'est les maquillages. Gore, ça, il y a des moments quand il revient au gore, on sent à l'intérieur. Quoi. Le final, on sent vraiment les réalisateurs de l'intérieur qui se sont fait plaisir. Quoi. Donc voilà, donc, pour les amateurs du genre qui ne sont pas trop difficiles, ok, ça va peut-être passer. Mais par contre, pour les personnes qui sont vraiment, un peu pointues dans le genre, ben oui, ils vont rester certainement sur leur faim, un peu comme nous. Les probabilités de retrouver un mineur après 48 heures sont quasi nulles. Mais on a tous besoin de comprendre. Et aussi, un clin d'œil. L'acteur principal, j'ai oublié son prénom. C'est une sorte de sous Belmondo. Physiquement, ça pourrait être un vrai... Mais dans le jeu, c'est un petit peu limite. Ouais. On ne sait pas si c'est lui ou les dialogues, mais en tout cas, il joue pas terrible. Je pense que c'est les deux. Ouais. Ouais. Et alors, pour moi, évidemment, il y a un truc, c'est que on est au niveau du jeu, on n'est pas dans Bresson. Quelle évidence. On est en plein surnaturel. Rien n'est visible. Tu es incroyable. C'est-à-dire, Bresson, tous les acteurs jouent mal. Mais alors, c'est la volonté de Bresson qui veut juste des modèles qui passent dans le film comme des fantômes. Et je tiens au contraire beaucoup à ce qu'ils soient absolument inconscients de ce qu'ils font. De cette façon, je crois qu'on peut tirer d'eux des choses extrêmement profondes qu'on ne tirerait pas d'un acteur, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il se cache derrière sa science, derrière son art. Ça, c'est le but de... C'est des formes pour Bresson, il voulait que les acteurs soient des formes. Donc ils jouaient tous avec le son, la voix monocorde. Mais ils ne jouaient pas comme ça, en zigzag, un coup. En plus, il y a trois acteurs qui jouent bien là-dedans. Il y a tous les acteurs, les seconds rôles que les enquêteurs viennent questionner, jouent bien. Donc il y a quand même trois acteurs qui jouent bien, ce qui est fou. Et après, on n'est pas non plus chez Mocky. Je vous attends à l'endroit convenu, jeudi, n'est-ce pas? Vendredi. Jeudi. Ou parfois, Mocky, les acteurs jouent mal, mais il y a une dérision qui fait qu'on se dit « Ouais, il joue mal, mais c'est parce que le mec est bizarre. » Tu vois, il y a toujours chez Mocky des gens bizarres et ils jouent mal, mais ils jouent mal parce qu'ils sont bizarres aussi. Et je trouve que le thriller n'est même pas au niveau des derniers Mocky. C'est dire, quoi. Hein. Je parle pas de tous les derniers Mocky, mais il y a des derniers Mocky qui étaient au-dessus de celui-là. Hein, parce qu'il y avait au moins... C'est un spécialiste de Mocky qui l'a dit. Lui n'a pas tout vu. Moi, j'ai vu même les mauvais, évidemment, les très mauvais et les moyens mauvais. Et même les moyens mauvais sont mieux que ça, quand même. C'est dur. Mais bon, voilà. Donc, mais ils ont de meilleures images, parce qu'il y a un peu plus de budget que chez Mocky, qui avait 30 balles. Mais... Et puis, on est en 2024 aussi. Donc, les drones, c'est à la portée de tout le monde, maintenant. Voilà, donc c'est un mauvais moment à passer, si vous voulez voir ce film. Mais on peut se raccrocher à des trucs, c'est sympathique, il y a un peu de gore parfois. C'est des films d'enquête, donc on a un peu... Même quand on voit des téléfilms sur TF1... C'est ce niveau-là. On suit le téléfilm, voilà. Parce qu'il y a des enquêtes, machin. Mais c'est une mauvaise journée, parce qu'évidemment, on termine avec deux films français de genre qui sont assez pauvres, et on va vous en parler. Le deuxième film, la critique suit cette critique. Nous allons parler du film de... Mathieu Turie, qui a réalisé Gueule Noire, en anglais. Alors là, le titre en anglais, j'ai oublié. C'est fou, ça. Ouais, c'est dingue. C'est un titre anglais qui lui va pas. Et on vous en parle dans la suite de la vidéo. Et vous allez voir que notre avis n'est pas meilleur et que c'est triste de voir deux films comme ça qui plombent un peu le cinéma de genre. Mais bon, voilà, c'est notre avis. Et donc, on vous laisse avec les réactions du public qui ne sont pas toutes mauvaises. Et on se rejoint pour la deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et voilà, votre avis nous intéresse toujours. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonjour, bah du coup, c'était très bien, franchement. Les décors étaient magnifiques. Et franchement, l'enquête est plutôt haletante. Donc franchement, très bien. Moi, j'ai fortement apprécié. Ouais. Super. Est-ce que vous avez apprécié le film? Ouais, j'ai bien aimé aussi. On s'est juste dit en sortant que le dénouement, qu'on ne vous dira pas, on s'y attend un petit peu. Mais il y a quand même des rebondissements auxquels on ne s'attendait pas. Donc l'un dans l'autre, non, c'était bien. C'était okay. Pas mal. Ah, j'ai trouvé ça un peu trop lent, à mon goût. Et
comment dire, j'ai... Prévisible ? Pardon ? Prévisible ? Prévisible ? Un peu quand même. Quand on est habitué de regarder des films de ce genre-là, on voit déjà un tout petit peu venir les choses, quoi. Donc, oui. Sinon, j'ai quand même animé l'image de la créature, qui était le design de la créature dans le film. Après, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur durant le festival ? Oui, bien sûr. Alors, les titres. Un film espagnol, Ellipsis, qui est un thriller. Vraiment très bien ficelé, un peu Hitchcockien comme ça, avec quelques petits éléments nouveaux dedans. Et un autre thriller aussi, américain cette fois-ci, The Last Stop to Yumi County, ouais, je ne sais plus, le titre exact du film, et qui était très bien aussi. Okay. C'était le deux thrillers que j'ai vraiment bien aimé là, pour le moment sur le festival. Et la petite pépite japonaise, River, que j'avais déjà vu avant, mais que je conseille aussi. J'avoue avoir été assez déçu. J'ai trouvé le film vraiment assez mauvais, mal joué. Certains ici diront qu'il y a une belle image, je trouve pas. Et finalement, j'ai eu l'impression de voir un téléfilm France 3. Et qu'est-ce qui va pas avec l'image, par exemple ? C'est surtout de la colorimétrie. Et je dirais aussi que... Par rapport au montage aussi, on a l'impression qu'il y avait deux monteurs sur le film, que l'un allait trop vite et l'autre trop lentement. Et donc les images, ça ne matchait pas entre elles. Super, merci beaucoup. Et vous, qu'avez-vous pensé de Mangeur d'âme ? Ma foi, j'ai trouvé l'image plutôt belle, donc la colorimétrie est plutôt acceptable concernant le ton du film. Maintenant, moi, c'est le jeu d'acteur, quoi. Le jeu d'acteur et les dialogues sont... Oh, pff, c'est dur, hein. Je sais pas si le livre de base est comme ça. Il a lu le livre de base, lui, mais... Non, c'est... Oh, c'est dur, hein. Dès le départ, j'ai dit, il y a un problème, quoi. Et puis, un peu de lenteur, comme ça. Deux, trois lenteurs dans certaines scènes. Quand elle lui donne le couteau à la fin, tu dis, bon, allez, vas-y, on sait déjà ce qu'elle va faire, quoi. Dépêche-toi, ben voilà. Puis, il y a aussi la scène du oui. La scène du... On a eu droit à 6 ou 7 oui en une minute. Avec le... Oui. Oui. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, c'était sympa, c'était en français. On a tout compris en tout cas, c'était marrant. La fin était plus appréciable que le début. Au début, on se demande, ok, où ça va ? Parce qu'on voit que ça se passe en France, avec des flics, enfin, on est là, ok. Et puis finalement, je trouvais ça vraiment sympa, quoi, du coup. Voilà. C'est cool. Et vous, qu'avez-vous pensé du film ? Moi c'était un peu plus mitigé, en fait c'est la première fois que je lui montrais, donc j'avais un peu ce truc de j'ai la responsabilité de lui montrer un bon film, je m'étais mis beaucoup la pression, mais en fait pareil que lui, le début était vraiment space et assez cliché, j'avais un peu du mal à rentrer dedans, et puis en fait la fin est marrante, c'est genre ça reste dans le cliché mais genre ça marche quoi, donc c'est cool. Et c'est votre premier film pour le BIF Je n'ai, ouais. C'est la première fois, et vous ? Non, moi c'est la deuxième année consécutive là. Du coup, maintenant que c'est ma deuxième année, j'ai la responsabilité de montrer à tout le monde le truc, quoi. Ça va, c'est cool. Ouais. Merci beaucoup, bon bif. Moi, je l'aimais bien, très bien. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le film ? C'était intéressant, oui. Oui. Ouais, c'est... Ouais, on aime tous les deux bien les histoires des folklores et dans le paysage. Et... Moi, j'aime beaucoup aussi les films précédents des deux réalisateurs, en fait. Aïe, bon, c'est pas le même niveau de l'intérieur, mais bah, je pense que peu importe ce qu'ils vont faire, ne sera plus jamais comme à l'intérieur, mais ce sont des bonnes histoires, et bien faites, bien actées. En gros, vous n'avez pas été déçu ? Pas du tout. Non, pas du tout. Super, merci beaucoup. Et au final, t'as déçu ou pas ? C'est-à-dire que la première partie, on est d'accord, on se dit, tiens, pas mal, l'Algérie, comment les mineurs arrivent en France pour descendre, et puis, dès qu'ils descendent, ça devient absolument nanardesque, on peut le dire. Le monstre est digne du monstre dans Bioman, des Inconnus. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. C'est Arconoïde, le turbo-animal venu de l'espace mammouth. Mais pourquoi me veut-il du mal ? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi ? Parce que t'es une gentille. Avec les mains comme ça, mais qui bougent pas. C'est incroyable. En fait, il a 6 mains,
Il n'y a que deux qui bougent, c'est incroyable. Et pourtant, le type qui a fait le design du monstre n'est pas mauvais, évidemment. Mais c'est comment tu mets en scène le monstre. Si évidemment tu le mets en scène en pleine lumière, s'il a pas un peu de truc, même quand il sort d'une carcasse, tu vois. Mm-hmm. À un moment, il sort d'une carcasse d'un mort, et il sort, il est tout nickel, quoi, pratiquement. Il a à peine du truc dégueulasse sur lui, il n'y a rien qui pend sur... C'est comme une marionnette, quoi, comme les trucs qu'on met le jour d'Halloween à la fenêtre. Il n'y a rien. Alors, toi, t'aimes pas Jean-Yves Anglade. Moi, je le trouve qu'il se cabotine. J'aime pas dans le film. Oui, dans le film. Moi, je trouve qu'il juste, il cabotine le personnage savant fou, oui, machin. Ça, c'est sûr. Celui qui joue pas mal, c'est Toretton. Il n'a pas grand-chose à jouer. Le bien n'est pas trop mauvais. Et alors, oui, c'est l'inspiration, évidemment. Bon, moi, je me suis inspiré de Jules Verne. Les Indes Noires, plus de gueule, quand même. Lui, non. Lui, il va carrément dans Lovecraft. Et lui, donc Lovecraft, il faut quand même se rendre compte, c'est des bouquins où l'horreur n'est jamais vraiment montrée. L'horreur est dégoulinant et quand il décrit les grands anciens ou les trucs comme ça, on n'arrive même pas à se les représenter tellement il fait des descriptions incroyables et effrayantes. Et là, on a un monstre dégueulasse et en plus, il fait vraiment référence à Lovecraft parce que le mec Anglade, il regarde sur les murs et t'as 3-4 pauvres machins qui sont sur les murs et qui représentent des trucs qui sont du... Oui, ils cherchent le Necronomicon aussi, tu vois. Par moments, c'est carrément du Lovecraft, quoi. Ouais, de même, ça vire même presque à l'Indiana Jones raté, quoi. Ouais, ouais, vois, ouais. Non, mais je veux dire, il s'inspire totalement de ça, et il fait un truc. Mais oui, c'est ça que les gens n'ont pas digéré, surtout. C'est ce côté Lovecraft raté, quoi. Et puis même, si ça avait été juste un peu une bête qu'on voit à peine, tu vois, un petit suspense, ah non, tu le vois direct, suffi, tac. Tu vois, ça aurait suffi. Non, je sais, il n'y a pas de... Par exemple, dans Alien, tu vois presque on rien. Le voit presque si pas. Si tu ne sais pas le faire, tu... et encore, ils avaient encore un costume qui était mieux que ça, quoi. Et pourtant, Mathieu Thury, il a commencé sa carrière comme assistant réalisateur de Quentin Tarantino dans Inglourious Basterds. Et alors après, il a fait Hostile et l'intéressant Méandre. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec Méandre, il y a aussi ce côté genre claustro, labyrinthique, tu vois, comme avec Gueule Noire, quoi, tu vois. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Beaucoup de gens disent, que le film commence un peu comme Germinal et qu'il termine comme un mauvais Alien. Mais il faut savoir que dans les mines dans lesquelles les scènes ont été tournées sont les mêmes mines du film Germinal. Oui, c'est vrai. Tourné c'est par juste. Claude Berry. Ouais. Et donc, comme tu dis, l'histoire se déroule au milieu des années 50. Et bon, ça, c'est ça qui est bien. Le début, début rend un bel hommage au travers de la mine. Et c'est on bien voit comment les Français ne veulent plus faire le travail dangereux. On fait venir la main d'œuvre. C'est pareil en Belgique. Ouais. Et donc voilà, mais le début du film, donc voilà, et après ça s'arrête à peu près là, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? C'est que les dialogues tombent à plat, l'humour est loin d'être convaincant, et alors ça manque d'atmosphère, parce qu'on est quand même dans une mine, c'est claustrophobe. Ça tient un petit peu au début. Hein, mais oui, le début, mais c'est vite parti en sucette, quoi, tu vois. Et l'aspect mystique... Franchement, ça, c'est il est abordé ces manière... trois hiéroglyphes au mur. C'est scolaire, quoi, tu vois. Et donc, c'est très ridicule. Et alors, il y a un moment au tout début, au moment où il y a le pénitent et où il commence à chanter une chanson, c'est amené d'une manière incroyable, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils se mettent tous à chanter la chanson des mineurs qui sont. Il n'y a même pas la progression qu'ils pourraient avoir. Il y en a un qui chante, puis le deuxième, puis le troisième, puis tout le monde, tu vois. Non, ils chantent tous d'un coup comme dans une comédie musicale. Voilà, déjà là au début je me disais tiens ça c'est quand même osé, ça risque d'être casse-gueule, puis après il s'est rattrapé, et puis ça retombe tout de suite, même si, je dois le dire, un peu comme Le Salaire de la Peur, c'est un film que j'ai regardé en me disant ça va, tu vois. Je l'ai trouvé quand même plus divertissant celui-ci parce que voilà, c'est un peu plus, et puis même, on a moins vu ça, quoi. Tandis que l'autre, c'était trop... C'est prendre les gens pour des cons, quoi. Tu un vois petit peu. Mais ça passe. Mais ce n'est pas un grand compliment. Parce que si on le compare au Salaire de la Peur de Julien Leclerc, on ne le complimente pas beaucoup. C'est clair que c'est un des films, pour l'instant, les plus faibles qu'on a vu au BIF, quoi. Ah oui.
Pourtant, là aussi, la distribution n'était pas dégueu, hein, quand tu vois au début. Qui est une distribution typique de ces genres-là, puisque Samuel Le Bihan est frontière. Mais là, c'était encore du bon, même si c'était petit, peu de budget, mais il y avait un espèce de... Enfin, c'était un sous-massacre à tronçonneuse quand même, mais ça allait. Il y avait une... Là aussi, en fait, c'est que dans Frontière de Xavier Jean, c'était... après, il a eu plus d'ambition par après, mais il n'y avait pas une ambition dingue. Donc, il a fait un film qui se tenait. Là, il y a une ambition qui ne sait pas tenir. L'ambition de faire un truc dans les mines, le réalisme des mines. Bon, une fois qu'ils sont dans la mine, il n'y a plus de réalisme, je trouve. Au début, oui, mais après, non. Et après, il y a l'hommage à Lovecraft. Et de côté, c'est léger à mourir. Et c'est du Lovecraft pour les nuls. Et c'est de la mine où il fait bon vivre, quoi. C'est vraiment une mine où on a envie d'y être, quoi. Oui, et en plus, on dirait qu'ils n'ont pas trop peur, quoi. Tu vois ? Ouais, je veux dire, normalement, on doit être effrayé. Il y a un moment où il y a un monstre, tu vois, qui... ça, c'était une idée, d'ailleurs, je me demande si c'était pas un scénario, je suis pas sûr. Où il fait aller son appareil photo aussi, j'avais fait avec la lampe torche, putain. Et là, on voit le monstre qui arrive. Là, c'était aussi un scénario. C'était une lampe torche au lieu d'un appareil photo. Et là, on se dit, oui, bon, et après, paf, tu le vois, et tu te dis, on s'en fout. Et il y a un peu de gore, mais ça ne fait pas très peur. Non, c'est pas... Mais, je le dis, ça se suit. Et je comprends pas. Il y a une espèce d'indulgence aussi avec ce cinéma-là, parce que c'est du film de genre français. Et donc, comme c'est du film de genre français, on tolère ça parce qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, comme il n'y a pas beaucoup, il faut quand même dire qu'il y a ce film-là. Tu vois ? C'est, il y a ce côté-là. Dès qu'il y a un film de genre français, on dit « Non, non, mais il y a quand même un super film, machin. » Et puis tu le vois, tu te dis « Non, vous n'allez pas tolérer un truc pareil, quoi. » Et je crois qu'il y a les gens de Capture Mag qui avaient dit, qui avaient vraiment fait une belle critique de ce film-là en disant c'est que c'était mauvais et ils avaient raison. Quoi. Et en plus, c'était apparemment, ils connaissaient le réalisateur, donc ils se mettaient un peu dans la merde en le critiquant. Mais ils ont bien fait parce qu'ils étaient peut-être les seuls. Quoi. C'est dommage, mais bon, voilà. Mais c'était plein de promesses, surtout que c'était un bon scénario à la base, si vous voyez ce que je veux dire. Super affiche. Oui. Et quand même dire que c'est pas à faire, ça, quand même. Hein. Surtout si on y met du Lovecraft, surtout si on y met des trucs pareils. Non, un peu plus de réserve, un peu plus de mesure. On va faire un tout petit film dans 2-3 veines de charbon en essayant de mettre un peu de tension, mais n'allez pas inventer des monstres qu'on ne sait pas faire et des malédictions qu'on a déjà vues mille fois mieux dans d'autres films. Voilà, dans des Lucio Fulci, des machins, on peut rigoler parfois de certains films, mais lui, il te foutait des trucs, il t'en foutait plein la vue, quoi. Voilà, donc c'était notre avis pour Gueule Noire. Voilà, Gueule Noire, on ne vous le conseille pas, sauf dans le cadre du bif, où c'est gai de voir, parce que justement, les gens gueulent, et les gens rigolent, et les gens... C'est vraiment le genre de film à voir au bif. Oui, au bif, ça, oui. Ça, on est ça, dans l'ambiance. Ça, tu te dis, même, de toute façon, au bif, plus c'est mauvais, plus c'est drôle. Donc, on est toujours bien, et on ne gâche jamais sa soirée en venant voir un mauvais film au bif. Mais voilà, donc... Des fois, c'est dangereux. Des fois, c'est dangereux, mais quand c'est un bon film. Tu vois, quand c'est un bon film, ben, il se passe des problèmes. Moi, quand j'ai vu le Kim Ki-duk, paf, il y a eu un pugilat. Et voilà. Donc, film sérieux, venez avec un gilet pare-balles, un casque, et voilà. Mais pour ça, alors, ce serait drôle s'il y avait eu un esclandre aussi, avec des mineurs qui viennent dire « Oh, honteux, comment vous nous traitez ?» Bon voilà, merci d'avoir écouté cette petite chronique. Abonnez-vous, critiquez. Si on a été trop dur, ben, vous nous niquez la gueule. On est prêt à tout. Voilà, ben, à la prochaine. Bonne fin de séance, bonne nuit à tous. Il est déjà très tard, il doit être 4h du matin. On vous dit bonne nuit, bonne matinée et bonne fin de séance. Voilà, tu dis pas au revoir. Au revoir. Okay.